C'est un secret de fabrication, vieux, de 239 ans. Un mélange de pigments et de kaolin, de l'argile blanche. Là, en fait, je suis en train de mélanger les différents composants de la couleur pour avoir une pâte homogène, pour qu'il n'y ait plus de traces de pigments seuls. Voici comment débute la fabrique de pastels. Avec cette machine, automatisée depuis 50 ans, Stéphane façonne ses petits bâtons, comme au XVIIIe siècle. C'est particulier de se dire qu'avant vous, il y a 7 ou 8 générations qui ont travaillé sur cette machine, effectivement. C'est toujours une transmission, toujours. Le grand-père qui a appris au père, qui a appris à l'oncle, qui m'a appris. Et moi, je devrais apprendre à quelqu'un qui prendra la suite, j'espère, dans quelques dizaines d'années. Avec Karine, sa femme. Ça y est, t'en es à ta dernière planche à découper. Ouais. Ils ont quitté Paris en 2016 pour reprendre l'entreprise familiale, les Pastels Giraud, née en 1780. En 1927, Monsieur Georges-Henri Petit a racheté l'entreprise à la veuve Giraud. Et donc c'est mon arrière-grand-oncle, le grand-père de mon oncle auquel je succède. Et donc là, je suis la quatrième génération dans notre famille. Dans le monde, c'est la plus ancienne fabrique artisanale de pastels encore en activité. Un produit délicat, soigneusement inspecté, avant de rejoindre la cinquantaine de compositions proposées. Historiquement, le nuancier originel comporte 526 teintes. Depuis quelques dizaines d'années, nous n'en produisons que 300. Des palettes déclinées par thème, par couleur et même un petit clin d'œil. Depuis 1998, les Pastels Giraud sont installés proche des grottes de Lascaux. Et quand on a repris avec mon mari, nous avons créé la palette Art Pariétal. Et en hommage aux artistes pastellistes, le couple a fondé cette galerie d'art pour mettre en lumière cette discipline encore méconnue du grand public.